opération que nous conduisons s'appelle opération Émergence 3, parce que nous sommes à la troisième région militaire interarmée. Cette opération a été créée pour faire face aux différents défis sécuritaires que connaissent les régions septentrionales du pays. Pour le moment, dans sa mission, il a déployé des personnes dans 19 postes de combat, 19 postes avancés au niveau de la frontière. Ils n'ont pas seulement le personnel, mais ils sont aussi dotés de matériel de guerre et matériel de mobilité. Chaque poste a un véhicule pour sa mobilité. Nous allons faire un petit tour de la ville, vous allez voir les réalités de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria dans une ville, particulièrement celle d'Amchidé et Bangui. Vous allez aussi voir le deuxième poste. Nous tenons cette ville pour empêcher toute implantation, toute manifestation de la sécurité. Tout recrutement de jeunes et toutes les manifestations sur toutes les forces. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaque. Vous savez que de l'autre côté, ça s'appelle Bangui au Nigeria. Ça, c'est la zone de prédilection de la SEC. Et nous avons des conséquences, c'est-à-dire des personnes qui fuient chez nous plusieurs fois, comme récemment, ils ont tenté de s'attaquer à l'un de nos postes, le poste secondaire, vous allez voir. Et ils ont été fermement. Nous privilégions beaucoup la composante renseignement. Nous recherchons le renseignement et quand la menace est imminente ou bien très importante, nous faisons appel à nos forces de troisième catégorie avec qui nous travaillons en synergie parfaite. Ici, il est question, tel que vous voyez au niveau là, il est question de protéger un point sensible qui est la brigade. Il y a beaucoup les mauvais ici. Avant, là, il y en a beaucoup. Maintenant, on a cherché. Et le marché, comment ça se passe, le commerce, les gens font. Maintenant, on marche beaucoup. Mm-hmm. Pas beaucoup, je marche un peu. Parce qu'on ne vient pas en situation qu'on achète.
Le vendredi, la prière, on va à la prière maintenant sans problème. Oui, sans problème. Trois semaines, et pendant cette période, cette bataille qui a duré je crois, 2 jours, nous avons eu aucune perte, mais nous avons eu à battre, à détruire 2 véhicules de Boko Haram. Ces véhicules transportaient des personnels, et en même temps les munitions et les armes. Nous n'avons pas pu aller au résultat parce que ça faisait qu'en même temps on ne peut pas envoyer les gens prendre ces risques-là. Mais je sais quand même qu'on a eu à détruire beaucoup de personnel, beaucoup d'armes et de munitions. À l'heure où nous sommes, vous avez vu une carcasse qui était là-bas. C'est l'une des carcasses qui a été aussi abattue pendant cette bataille parce que les hommes, ces engins qui sont derrière nous, ont commencé à tirer par là pour venir maintenant achever leur action par ici. Et derrière moi, vous voyez tous ces engins, c'est les engins qui ont été envoyés en renfort par le gouvernement Kaoumé. Et ces anciens sont en train de faire vraiment leur travail sur le terrain et je crois que la population a regagné confiance et est prête à nous livrer toutes les informations que nous avons besoin pour notre mission.
pense que ce que je dois dire, c'est de saluer d'abord le chef de notre armée, le chef de l'État. Que ici chez nous, ici à le nouveau décennium, nous synergisons les efforts, nous synergisons nos forces, nous mutualisons nos moyens, nos efforts pour lutter contre cette nébuleuse. Et je pense personnellement qu'avec ce renfort que nous venons de recevoir de la hiérarchie et qu'on nous attendons encore, nous ne sommes pas loin de la victoire. Je vous remercie. Mais je ne peux dire qu'il n'y a que les faits qui sont têtus. Vous étiez sur le terrain, je voudrais dire à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, une seule chose, c'est que le Cameroun en ce moment a subi de plein front trois menaces d'une assez forte intensité. Je vais citer la menace au niveau du golfe de Guinée, tant au niveau de la zone côtière qu'au niveau de la zone auturière. Je vais citer la menace au niveau de l'est du Cameroun. Je vais citer également le phénomène de la secte Boko Haram, sans compter qu'il y a quand même des missions sécuritaires qui sont majeures à l'intérieur, notamment les coupes, l'activité des coupeurs de route, le braconnage et la sécurité de tous les jours, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. Je dois dire donc que face à tous ces défis qui interpellent les forces de défense, nous faisons face sans avoir appelé des forces étrangères. Qu'on compte sur vous pour dire objectivement à l'opinion internationale national ce qu'il y a au Cameroun et ce que nous savons nous défendre nous-mêmes. Et la mise en application des dispositions prises à Londres, notamment cette patrouille transfrontalière avec le Nigeria, est-ce que vous en êtes déjà à cela sur le terrain? Oui, vous savez, il y a la décision politique, hein, c'est une décision qui se tient au niveau stratégico-politique et il y a l'intuition sur le plan de la stratégie militaire et l'exécution sur le plan opératif. Ça prend du temps. C'est pour ça que lorsque certains médias parlent de forces de coalition, ça m'étonne, hein, parce que pour mettre des forces de coalition en place, il faudrait déjà définir le mandat de la force, il faut définir la capacité, le volume de la force, il faut définir le financement de la force, tout ça, ça prend du temps. Donc même dans le cadre des actions concertées, il va falloir quand même un certain temps, le temps que on s'accorde, qu'on fasse des réunions de coordination et de planification. Mais maintenant, chaque pays devrait déjà, pendant ce court terme, hein, être capable de pouvoir assurer le plus possible ces actions de sécurité qui sont, ma foi, des missions régaliennes. Hein, pour chaque... Et comment le Cameroun travaille déjà dans ses frontières? Eh bien, premièrement, avant que nous avions déjà perçu qu'il y avait une montée en puissance de la menace dans le Nord, ainsi le chef de l'État du Cameroun a créé deux brigades, hein, la 31e brigade d'infanterie motorisée qui est basée à Ngaoundéré, la 32e brigade d'infanterie motorisée qui est basée à Maroua. Et nous avons des forces spéciales, ça c'est quand même une notion qui est nouvelle en Afrique. Et bien avec ça, nous avons donc pu mailler toute la frontière. Bon, mais aujourd'hui vous êtes arrivé, vous avez vu un peu le déploiement que nous avons sur le terrain. Il est assez impressionnant pour une armée africaine qui est en développement. Et parlons de ce déploiement pour terminer. Le dixième d'un dispositif qui rassure et le rapport avec les populations, comment ça se passe? Ah, ça, vous avez pu voir le déploiement sur deux départements. Hein. C'est pour vous dire un peu tous les départements que vous avez le long de la frontière. Comme le commandant de la 32e brigade d'infanterie motorisée vous a dit tantôt, c'était juste le dixième du déploiement. Ça veut dire qu'on a consenti d'énormes moyens. Pour un pays comme le Cameroun, c'est exceptionnel et je pense que nous devrions avoir la satisfaction de l'opinion internationale. Bon, nous ne le faisons pas pour avoir forcément une satisfaction, c'est déjà pour le bien-être des Camerounais, parce que la sécurité n'a pas de prix. Entendez-vous des populations dans ce cas? Les populations, elles sont très vulnérables. C'est ça que nous allons continuer à mener de grandes actions de communication et des actions civilo-militaires pour pouvoir gagner des enjeux d'adhésion à mesure, n'est-ce pas, de dire la vérité. Et je pense que c'est par là qu'il faudrait insister tout en maintenant, en tenant fortement et fermement nos frontières. Merci.